bah c'est comme ça, exactement comme ça qu'on se prépare pour la Trans-Grand Canaria. Ah, il faut se conditionner à la chaleur, tu vois. Mais c'est juste du conditionnement. Eh ben vas-y. Tu vas passer sur l'ombre, tu vois, donc comme ça on aura tout. Non, quand je vais passer sur l'ombre, non. Non, quand tu me passes, quand mon ombre passe sur moi. Voilà. Ça va, quoi, c'est quand même facile à comprendre. Quand tu me caches le soleil, quoi. Quand tu me caches le soleil. Ah oui. Ah ben oui, c'est ce que je voulais dire, en fait. Ben voilà. Oh, ça va, t'as vu quelle heure il est? Attends, à cette heure-là, il y en a qui dorment encore. Ouais, ça imprime pas. Alors écoute, t'es gentil, mais là... Yeah, I think Sebastian and I share the same views on trail running. I think we both run for the same reasons, and I think a lot of trail runners run for the same reasons. I think it's about your inner exploration, exploring what you are capable of doing. By meeting these people, you learn a lot about the world, and you also learn a lot about yourself, and for me, it's just really interesting. On voit le terrain de jeu qu'il y a. Ici, je pense qu'on pourrait faire facilement une course de 1000 km sans reprendre jamais la même bosse, le même dénivelé, le même village. C'est impressionnant. Là, c'est voilà, c'est le mini stress du départ. Donc c'est plutôt tranquille. On voit déjà ce qui nous attend derrière, et puis en plus après prendre le temps. Voilà, on a toute la journée. Le début de course avec Irai, c'était très particulier parce que quelque part c'était dans la continuité de ce qu'on avait vécu un mois auparavant. Et je suis venu pour voir le parcours, histoire de savoir à quoi m'attendre. Et je pense que ça a été intéressant d'avoir ce relationnel avant,
puisque pendant la course, quand on s'est retrouvés, bah, naturellement, on a fait footing ensemble. Para mí, correr con Sebastián es un orgullo, una satisfacción. Y nunca hubiese pensado que en carrera hubiese coincidido con él en ritmo. Y la verdad que iba súper contento. Él me decía tranquilo. Yo estaba disfrutando porque es como persona, es genial. Y bueno, haciendo lo que me gusta, correr, y con una persona estupenda, disfrutas, ¿no? Et bon, à partir du ravitaillement de d'Artenara, il s'est mis vraiment à pleuvoir très très fort sur certaines zones. Brouillard très épais, donc on avait vraiment des problèmes à voir le balisage, même si le balisage était relativement rapproché. Sur les endroits les plus critiques, je pense qu'il faisait, il devait faire zéro et puis 80 km/h de vent. Le froid, et puis depuis un petit moment on a le brouillard. Donc on voit une balise sur de temps en temps, donc à mon avis il y en a qui vont se perdre. Et ça, c'est plutôt mon rôle pendant la course, justement, de faire en sorte que à chaque ravito où il peut avoir une assistance, il y ait ce qu'il faut comme produit sur chacun des ravitaillements. Voilà, donc des barres énergétiques, des gels. Lui adapte en fonction de comment il se sent et voilà, il y a quand même une grande variété de barres et de gels pour répondre à des exigences d'une course aussi longue qu'un ultra. Nickel. Là, t'as deux coups de fouet à Red Tonic, t'as qu'un Red Tonic, il n'y avait pas un deuxième. Je les ai. D'accord. J'en ai deux. Comment tu te sens, là? Ça va, j'ai les jambes qui répondent, j'ai... Ouais. Voilà, quoi, je gère. Tu gères? Okay. Je gère. Par contre, je commence à avoir des coups de bambou de bouffe. Allez. Hey. C'est bien, Sylvain. Je voulais être là pour 7h30 et 7h27. Ah, nickel. C'est correct. Parce que j'aimerais bien passer à Garanon avant le départ du 40. Ouais. Parce qu'autrement, ça va être long à faire. Là on est en C1. Normalement ça devrait pas marcher. Hein? Oh putain, c'est la première fois depuis le début du shooting. A priori, tout le monde était en train d'attraper froid, il faisait mauvais et tout. Et puis là, d'un seul coup, incroyable. Ça a été incroyable. J'ai jamais vu autant de photographes au centimètre carré. J'ai des coureurs qui
dès qu'il me voyait, il me reconnaissait, qu'il faisait ou le 20 km ou le 42 km, courait avec moi et puis m'encourager, discuter. Je perds pas de temps, la Transgran Canaria, on enchaîne avec le Mont Fuji, donc préparation alimentaire, et il faut que je m'habitue un peu aux conditions du Japon, donc j'attaque tout de suite. Hein. Allez.